le cavalier va lancer l'application sur son téléphone. À partir de là, il peut choisir un exercice que nous, on lui conseille. Ici, on retrouve l'exercice des 5 barres sur lequel le cheval va vraiment travailler sa qualité de galop. C'est très utile, notamment à l'obstacle. Donc, on lui propose un dispositif. Il va passer à main gauche, à main droite. On va avoir une séquence vidéo très courte de 1 minute 30 à 2 minutes qui sera déjà bien suffisante sur l'analyse. Dès lors, le cavalier descend de cheval, s'occupe de son cheval et derrière, lorsqu'il est disponible, il peut aller revoir sa vidéo et positionner notre vidéo de référence en haut, au-dessus de la sienne, sur un double écran, de telle manière à savoir exactement ce que lui doit regarder sur sa propre position comme sur le cheval, quels sont les grands observables de l'équitation sur le mouvement en question. Mais en gros, c'est quoi la différence avec des tutos que je pourrais choper sur Internet ? Alors, il y a plusieurs différences. Premièrement, la qualité technique. Deuxièmement, nous, on part du principe que les fondamentaux de l'équitation peuvent être résumés de manière très très simple à partir de formes plus simples encore. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les angles articulaires de la posture ou même du cheval, vous pouvez arriver à des choses biomécaniques très très complexes alors que nous, on propose de la simplicité à la fois dans l'utilisation et surtout de la simplicité dans la compréhension de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Ici, grâce à Naoki, on rend le sportif acteur de son apprentissage. C'est lui qui va rechercher, grâce à nos tutoriels, ce qui va dans son équitation ou ce qui ne va pas et comment s'améliorer. Elle est là, la différence.